الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dieu dit dans la sourate les femmes, An-Nisa, au verset 92: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية C'est-à-dire que celui qui tue par inadvertance, par accident, un croyant, devra verser une compensation à la famille de la victime. Donc tu écrases quelqu'un, tu le tues, tu n'as pas fait exprès. La charia, la loi musulmane, prévoit que la famille de la victime reçoive un dédommagement de celui qui a causé ce malheur. Ce dédommagement est estimé à la valeur de 100 chameaux. La dia, elle est de 100 chameaux. Admettons qu'un chameau le plus nul coûte 3000 euros. 100 fois 3, ça fait 300 000 euros. Donc si tu tues quelqu'un par accident, tu dois verser à sa famille 300 000 euros. Bien sûr, il y a libéré un esclave, mais il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Donc si on doit estimer le prix d'un esclave, mais allez, restons sur les chameaux. Tu dois verser 300 000 euros. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim que la diya, donc cette compensation, doit être supportée, non pas par l'individu seul, parce que vous êtes bien d'accord que tu n'as pas 300 000 euros. Et si tu dois donner 300 000 euros à la famille, tu vas y passer toute ta vie. Ainsi, l'esprit de solidarité qui doit exister entre les musulmans et en particulier entre les membres d'une même famille, veut que tout le monde mette la main à la poche. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim que c'est l'asaba qui doit verser la diya. C'est quoi l'asaba? C'est les proches, notamment ceux qui ont droit à l'héritage. Tout le monde, en fait, doit quoi? Doit participer au malheur qui a frappé cet homme. C'est clair? Ça s'appelle l'aqila, la compensation que doit verser celui qui a commis, fait un accident et qui a tué quelqu'un par erreur. Très bien. L'imam Malik, l'imam Ahmed ibn Hanbal et l'imam Shafi'i sont unanimes pour dire que c'est la personne et sa famille qui doivent verser. Voilà que l'imam Abu Hanifa donne une autre solution. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas uniquement la famille qui est concernée. D'ailleurs, si elle l'était, peut-être qu'elle n'aurait pas les moyens. Ainsi, il va élargir le champ de participation pour verser cette compensation. Et il se base sur quoi, l'imam Abu Hanifa? Il se base sur ce que Omar ibn al-Khattab a fait en présence de tous les compagnons du prophète, sans qu'aucun n'ait discuté ni remis en question ce que Omar a fait. On se comprend. Vous avez tous entendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que ce qui devait verser la compensation, c'était qui? C'était la famille. Omar va déplacer le curseur. Et vous savez ce que fait Omar? Omar va créer l'administration, ce qu'on appelle le diwan. Omar, il va recenser la population musulmane. Pourquoi? Pour pouvoir verser des salaires, des retraites aux gens. Ainsi, son recensement était fait par catégorie. Catégorie socio-économique. Vous aviez les militaires qui faisaient partie d'un corps. Vous aviez les artisans. Vous aviez les malades. Et chacun recevait un salaire, une aide, recevait son RSA s'il ne travaillait pas. Omar ibn al-Khattab, écoutez bien, va décider, donc d'un commun accord avec les Sahaba, que la diya sera désormais versée par le corps social. C'est-à-dire, si celui qui a tué par accident, c'est un militaire, c'est la caisse des militaires. Alors, je vais vous le dire autrement, on va se comprendre. C'est le syndicat qui paie. D'accord? Omar a créé des mutuelles. Hein? Les,
les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont un corps social et économique. Si jamais celui qui a tué par accident fait partie des fonctionnaires, ce n'est plus à sa famille de verser. C'est à son corps socio-économique de verser. C'est-à-dire, Omar ibn al-Khattab a compris que ce que le prophète a dit, quand il disait que c'était la famille, l'asaba, la famille proche qui devait verser la diya, Omar a compris que ce n'était pas une fin en soi, c'était juste un moyen pour atteindre un objectif. Il y a un malheur, il y a un mort, il faut récompenser, il faut accompagner la famille, sauf si la famille fait une sadaqa et dit « je ne veux pas d'argent ». Ce n'est pas évident pour une personne de verser la diya, même pour la famille, puisque avec le temps, les familles, elles font quoi? Elles s'atomisent, elles deviennent de moins en moins des familles élargies, donc moins de solidarité. On fait quoi? On continue à prendre à la lettre ce que le prophète a dit? C'est impossible, on n'arrivera pas. On va léser, soit on va léser la famille du défunt qui ne pourra pas recevoir l'argent, ou soit nous allons léser la famille de celui qui a tué. Ainsi, Omar ibn al-Khattab est pragmatique. Le prophète a dit quelque chose. Il l'a dit pour tel but, tel objectif. Si ce qu'il a dit ne fonctionne plus, ne nous permet plus d'atteindre le but et l'objectif, qu'est-ce qu'on fait? On change le moyen que le prophète a mis à notre disposition. Et c'est ça la preuve que notre religion a une capacité d'évoluer et de s'adapter en fonction de l'époque, en fonction des circonstances, mais en fonction aussi des problèmes rencontrés. Bon, je vais vous donner un deuxième exemple, encore beaucoup plus clair et flagrant. Ouais, serrez-vous, dit Ami Jibril, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Le deuxième exemple, c'est le hadith rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, et ce qu'il dit a fait consensus, l'unanimité chez tous les compagnons, à part quelques-uns. Vous savez c'est quoi? Il a interdit qu'on mette par écrit sa sunna. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé, interdit. Il va même plus loin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, et si parmi vous, il y a certaines personnes qui ont déjà rédigé des livres, des corpus de hadith, vous les effacez, vous les brûlez. Et d'ailleurs, Abu Bakr va brûler, et d'autres compagnons vont brûler des livres qu'ils ont écrits. Pourquoi est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne veut pas qu'on mette par écrit sa sunna? Pour que les musulmans se concentrent sur le Coran, afin que le Coran ne disparaisse pas, afin qu'on ne confonde pas le Coran qui est sacré, qui est un texte immuable dans la forme et dans le fond, avec ce que le prophète va dire et faire, qui est sujet à discussion, interprétation. Très bien, les compagnons vont s'interdire et interdire pendant des années aux musulmans de mettre par écrit la sunna. Parce qu'il y avait des raisons. Est-ce que vous savez que c'est juste une question de temps pour que les tabi'in et les tabi'i tabi'in, c'est-à-dire la deuxième et la troisième génération, remettent en question ce que le prophète a dit et fassent le contraire et invitent les musulmans à faire le contraire? Le grand calife Omar ibn Abdelaziz, qui n'est pas seulement un responsable politique, mais c'est un mujtahid, c'est-à-dire c'est un savant religieux, vous savez ce qu'il fait? Décret. Il ordonne aux savants musulmans de mettre par écrit la sunna du prophète. C'est-à-dire ce que le prophète a interdit, à un moment donné pour des raisons sensées, devient maintenant halal et obligatoire. Et tous les savants vont se mettre au travail et mettre par écrit la sunna. Pourquoi? Parce que le Coran est consigné. Tranquille, on a réglé le problème du Coran. Il y a un problème qui voit le jour, c'est quoi? C'est les personnes qui inventent et qui créent des hadiths. On fait comment pour régler ce problème? On reste sur le hadith du prophète, ne mettez pas par écrit ma sunna. Mais si on reste sur la lettre de ce que le prophète a dit, ben aujourd'hui on n'aurait pas de sunna, elle aurait disparu. Donc voyez bien que quand le prophète nous donne un moyen pour atteindre un objectif, si jamais le moyen est contre-productif, on change ou on ne change pas le moyen? On le change. On le met de côté. Parce que ce que le prophète a dit n'est pas sacré.
Le prophète, il a pensé, il a réfléchi, il a dit, je fais comment pour préserver le Coran de toute forme d'altération? Je fais comment? Il a fait un ijtihad. Je vais interdire aux musulmans de mettre par écrit ce que je fais, ce que je dis. Très bien, prophète, tu as fait ça pour une bonne raison. Sallallahu ala Muhammad. On est d'accord? Ce que le prophète a dit et fait, 50 ans plus tard, ça donne l'effet inverse. Le contraire de ce que le prophète veut. Parce que le prophète, vous êtes bien d'accord, qu'il veut préserver la religion. Et on ne peut pas préserver le Coran si on ne préserve pas la sunna. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit désobéir au prophète. Ça ne s'appelle pas de la désobéissance. Ça s'appelle la compréhension intelligente de ce que le prophète a dit dans notre contexte par rapport à quoi? Par rapport aux besoins et aux conséquences. Donc, ce qui était haram, interdit de la bouche du prophète, devient halal et obligatoire parce que le temps a changé, l'époque a changé, les besoins ont changé, les défis ont changé. Clair ou pas clair? Non, c'est pas clair. Il faut encore un autre exemple. Troisième exemple, l'imam al-Bukhari muslim et tous les savants du hadith rapportent que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Tant qu'il y aura des membres de la tribu de Quraysh, hein, vous devrez choisir votre chef, votre calife, votre président, vous l'appelez comme vous voulez, de la tribu des Quraysh. » C'est-à-dire, on est condamné, si on prend ce hadith à la lettre, de quoi? De toujours voter pour une personne qui émane d'une tribu. Et le monde musulman sera toujours sous la coupole des Al-Saoud. Bon, vous avez compris. Alors, on fait quoi avec ce hadith? Vous savez ce qu'on doit faire? On doit comprendre pourquoi le prophète a dit ça. Le prophète a dit ça parce que, à son époque, il est impensable, inimaginable pour les Arabes, écoutez bien, même convertis à l'islam, d'accepter un calife issu d'une autre tribu que celle des Quraysh. Parce que c'est des Arabes. C'est-à-dire, ils ont un esprit tribal. Je n'obéis qu'au chef de ma tribu. Pourquoi je vais obéir au chef de la tribu voisine? Ils n'ont pas le sens de la démocratie pour l'instant. On va voter, on va choisir le meilleur. Ainsi le prophète, qui est un fin psychologue, sociologue, anthropologue, il a très bien compris que celui qui peut faire l'unanimité chez les Arabes, pour l'instant, c'est qui? C'est un Quraychite. Mais, avec le temps, nous savons musulmans vont très bien comprendre que ce que le prophète a dit est circonstancié. La preuve, pendant 500 ans, qui a dirigé le monde musulman? C'est même pas un arabe, ce sont des Turcs. Donc vous voyez bien que ce que le prophète dit à un moment donné peut ne plus être d'actualité parce que ce qu'il a dit dépend de facteurs économiques, culturels, politiques, scientifiques. Oui, pourquoi pas? Je vais vous donner un troisième exemple. Troisième exemple d'actualité que l'on vit et que l'on subit. Vous êtes bien d'accord que c'est la cacophonie chaque année avec le début et la fin du mois de Ramadan. On le vit, on le subit. Pourquoi, à votre avis? Le problème, il est d'abord dans une approche littéraliste des textes. C'est-à-dire, le prophète, alayhi wassalam, a dit dans le hadith authentique rapporté par tous les narrateurs, jeûnez lorsque vous voyez le croissant. C'est-à-dire, le début du Ramadan dépend de quoi, d'après ce hadith? De la vision, l'observation du croissant lunaire. Et la fin du Ramadan, l'aïd dépend aussi de ça. Taïeb, si on prend ce hadith à la lettre, on doit le voir pour commencer et finir. Vous savez ce que ça donne? Ça donne ce qu'on a encore eu cette année. C'est-à-dire, des gens qui ont fait l'aïd lundi, des gens qui ont fait l'aïd mardi, et des gens qui ont fait l'aïd mercredi. Est-ce que c'est possible, scientifiquement parlant, religieusement parlant, c'est pas possible. Il y en a un qui s'est planté. Non, il y en a deux qui se sont plantés. Vous allez me dire non, ils ont tous raison. Puisque le prophète a dit que le jeûne dépend de la vision. Et c'est là où il y a de la mauvaise foi, où il y a de la malhonnêteté. Allez, je vais aller plus loin. Il y a de l'arnaque. On s'est fait arnaquer et on continue à se faire arnaquer par des savants littéralistes qui ont une opinion et qui veulent nous l'imposer en nous faisant croire que c'est la vérité absolue, indiscutable.
Alors que les hadiths ne disent pas ça. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et je vais vous le prouver. Vous êtes prêts? Vous avez cinq avis basés sur les versions des hadiths. Cinq avis. Vous avez un hadith qui dit « Jeûnez lorsque vous le voyez ». C'est clair. Le ciel est dégagé, on observe, on le voit, on jeûne. Regardez maintenant, vous avez un hadith qui dit « Jeûnez, et si vous ne le voyez pas, considérez que le mois est de 30 jours. » Pourquoi? Parce que le prophète والسلام, dit « Les mois lunaires sont de 29 ou 30 jours. » Vous n'avez pas d'autre solution. Il n'y a pas 28, il n'y a pas 31. Ainsi, si vous avez un problème de visibilité, vous considérez le mois de Shaban comme un mois de 30 jours, le mois de Ramadan comme un mois de 30 jours. Regardez. Deuxième solution. Vous êtes bien d'accord que cette deuxième solution ne parle pas de visibilité, ne parle pas de vision, d'observation, puisqu'il n'est pas observable. Donc, le début et la fin du mois de Ramadan ne dépendent pas uniquement de l'observation oculaire. Puisque le hadith dit, si vous ne le voyez pas, il nous a donné une autre solution. Vous avez compris? Parce qu'il y en a qui te disent, non, tout dépend de l'observation. Vous allez dire, oui, ok, on a compris, il y a l'observation, et si elle n'est pas possible, le prophète a donné la solution. La solution, c'est le mois de Sha'ban 30 jours, le mois de Ramadan 30 jours. Hasso. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a l'arnaque. Parce que les mêmes hadiths, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, faqduru lahu. Au lieu de dire, fa'atimmo thalatin, considérez le mois comme 30 jours, les mêmes hadiths rapportés par les mêmes compagnons, donne une autre version, c'est-à-dire un autre verbe utilisé par le prophète. Un verbe qui dit 30 jours et un verbe qui dit calculer, faqduru. Vous êtes bien d'accord que calculer, c'est différent de 30 jours. 30 jours, il n'y a pas de calcul, c'est 30 points à la ligne. Donc, le hadith ouvre la possibilité d'un calcul. Il y a mieux que cela. Et vous allez voir que vous allez être étonné et choqué parce qu'on ne nous l'a jamais dit. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu qui rapporte le hadith de faqduru lahu, calculé, qui rapporte le hadith fa'atimmo al-thalatin, considérez-le comme un mois complet de 30 jours. Regardez ce que fait Abdullah ibn Omar. Vous êtes prêts? Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal et par l'imam Abu Dawud. Et tous ces avis sont dans le Mournid ibn al-Qudama. Abdullah ibn Omar, quand on arrivait à la fin du mois de Sha'ban, il envoyait quelqu'un pour observer. Quand la personne revient, il lui dit « Je l'ai vu », il jeûne le lendemain. Quand la personne revient, il lui dit « Je ne l'ai pas vu », Abdullah lui pose la question suivante. « Est-ce que le ciel est dégagé ?» Il lui dit « Oui, il est bien dégagé. » C'est ce que fait. Il jeûne le surlendemain, c'est-à-dire il finit le mois de Sha'ban comme 30 jours. Lorsque la personne lui dit « Le ciel est brumeux, je ne vois rien et je ne peux rien voir », donc, troisième cas de figure, qu'est-ce que fait Abdullah ibn Omar? Vous savez ce qu'il fait? Il jeûne le lendemain. Parce que Abdullah ibn Omar a compris le terme faqduru lahu comme signifiant réduisez le mois de Sha'ban à 29 jours. Ne le considérez pas comme un mois de 30 jours, mais comme un mois de 29 jours. Et Aïcha, radiallahu anha, dans le sunan de l'imam al-Bayhaqi, disait « Je préfère jeûner un mois de Sha'ban, un jour de Sha'ban que de rater un jour de Ramadan. Je préfère jeûner un jour de Sha'ban que de rater un jour de Ramadan. » C'est-à-dire, demain, on ne sait pas si c'est Ramadan ou si c'est pas Ramadan. Par principe de précaution, elle jeûne le jour du doute pour sortir du doute en disant « Si c'est Ramadan, alhamdoulilah, je ne me suis pas planté. Si c'est pas Ramadan, j'ai rien perdu, puisqu'un jeûne, c'est toujours positif. » Parce que la hantise de Aïcha, et ça doit être l'hantise de tous les musulmans, c'est de ne pas jeûner le jour de Ramadan. Vous allez me dire, c'est pas grave si on se trompe. Puisque le prophète nous a excusés en disant, si vous voyez pas, vous finissez 30 jours. C'est faux. Le prophète n'a pas dit ça. Le prophète a dit, si vous ne voyez pas, vous faites 30 jours. Et il nous a dit aussi, si vous ne voyez pas, vous faites 29 jours de Sha'ban. Il y a les deux solutions. La preuve, regardez. Omar ibn al-Khattab pense, croit, et il a mis en pratique que Sha'ban, si jamais le ciel est brumeux, il faut le considérer comme 29 et non pas 30. Son fils Abdullah ibn Omar, Amr ibn al-As, Abu Hurayrata, Anas ibn Malik, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Aïcha
Asma, sa sœur. Et Ibn Qudama rajoute Ali ibn Abi Talib. Vous passez à la génération suivante. Taous ibn Kaysan, Mujahid ibn Jabr. Vous vous rendez compte, c'est pas n'importe qui. Hein. Mujahid, c'est celui qui explique le Coran. Attendez, c'est pas fini. Abu Uthman al-Nahdi. C'est pas fini. Mutarrif ibn Abdillah al-Shikhir. Et on peut continuer comme ça. Maimoun ibn Mahran, chez les Tabi'in. En fait, cette question de début et de fin de Ramadan, il n'y a pas qu'une opinion et qu'un avis. Il y en a plusieurs. On nous a juste fait croire qu'il n'y avait qu'un avis. Alors qu'en vérité, s'il y a plusieurs avis, on doit choisir lequel ? Ben, nous allons choisir le meilleur des avis, qui répond à nos besoins et qui règle nos problèmes. Rester dans le doute, ça crée un problème ou ça ne crée pas un problème ? Certains vont dire, non, moi ça ne me crée pas de problème. Oui, c'est vrai, tu n'es pas la règle. Si toi ça ne te crée pas de problème, ça crée des problèmes à certaines personnes. Chez nous, dans le Nord, il y a des gens que je connais qui sont enseignants. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils se sont basés sur le pif. Ouais. Avec les Arabes, il ne faut jamais compter sur ton pif. Parce qu'ils vont te la faire à l'envers. Les ouais, c'est bon, l'Arabie Saoudite, elle va dire mercredi parce qu'il est invisible le lundi soir, étant donné qu'il n'est le lundi à midi, deux minutes, il ne sera pas visible, sauf en Amérique. Mais comme les Américains, c'est des kofars et les musulmans qui vivent en Amérique, ils ne sont pas très catholiques. Donc, c'est bon. Et le mec, il a déposé mercredi comme jour de Eid. Surprise pour tout le monde. L'Arabie Saoudite nous l'a fait à l'envers. Ils ont vu que du feu, ce sont des menteurs. On nous fait tourner en bourrique. On est pris en otage par des gens qui ne veulent pas que les musulmans soient unis dans leur religion. Et la meilleure façon de les maintenir dans la désunion, c'est d'utiliser la religion. C'est de vous bassiner sans arrêt en vous disant « la sunna, la sunna, la sunna, bande de menteurs ». C'est pas ça la sunna du prophète. La sunna du prophète, elle est intelligente. Le prophète والسلام, a dit Inna ummatun. Nous sommes une communauté qui ne maîtrisons ni l'écriture, ni la lecture, ni les maths. Très bien, prophète, puisque pour l'instant on est nul dans les deux domaines, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution pour le début, la fin du mois de Ramadan? Il a dit utilisez vos yeux. Prophète, le jour où on sera balèze en lecture, écriture et en maths, on pourra utiliser. Mais c'est évident, vous n'allez quand même pas rester toute votre vie nul. Vous avez intérêt. D'ailleurs, je vais vous aider à sortir de l'analphabétisme. Et dites-moi, pourquoi en 2019, les musulmans buguent sur une question élémentaire? Pourquoi? Parce qu'on a un problème de compréhension intelligente de la religion. C'est soit vous considérez le moyen comme une fin en soi, ou soit vous considérez le moyen comme... un moyen. Et ce qui compte, c'est l'objectif. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est de jeûner le mois de Ramadan. Comment je fais pour ne pas rater un jour de Ramadan? Ben, c'est simple. Je demande aux personnes qui sont compétentes. Les personnes compétentes pour définir le début, la fin du mois de Ramadan, ce n'est pas les bédouins du désert, ni les musulmans des grandes villes. Les meilleures personnes, ce sont les scientifiques, puisque chacun son domaine de compétences. Pourquoi dans tous les autres domaines on demande, quand c'est la médecine, aux spécialistes, et là quand on arrive dans un domaine qui s'appelle l'astrophysique, on ne demande pas aux spécialistes? Vous savez pourquoi? Ben parce que, et là vous allez voir comment les musulmans sont contradictoires, quand le mec il a un cancer du pancréas ou du foie, il ne va pas voir l'imam, il ne téléphone pas au cheikh, le grand savant du grand conseil. Parce qu'il sait très bien que le cheikh va l'envoyer au cimetière plus vite que prévu. Parce que ce n'est pas son domaine. Très bien. Pourtant, le prophète, alayhissalatu wassalam, dans des dizaines de hadiths, il nous a donné des médicaments contre les maladies. D'ailleurs, il nous a donné un médicament miracle. Il t'a dit, le prophète, dans le Bukhari et Muslim, prenez les grains de nigel, c'est un remède contre toutes les maladies. Vous pouvez fermer toutes les pharmacies, tous les centres de recherche et les hôpitaux. Vendez des grains de nigel et vous allez guérir contre toutes les maladies. C'est ce que dit le hadith. Haya, allez-y, faites-le. Mais il n'y a personne qui va le faire.
Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que quand le prophète dit ça, ça n'a rien de religieux. C'est parce que à son époque, les médecins de son époque disaient ça. Donc le prophète répète ce que les médecins disent. La preuve, nous avons des dizaines de hadiths où le prophète dit « Le remède contre la sciatique, c'est ça. Le remède contre la cataracte, t'as mal aux yeux, t'as mal aux yeux. » Le hadith, il te dit « Tu mets du noir aux yeux. » Et pas n'importe lequel, il doit venir d'Inde. Mais c'est pas possible, vous avez mal aux yeux, vous allez voir un spécialiste qui s'appelle l'ophtalmologue. Pourquoi ? Parce que la médecine n'est pas religieuse. La médecine qui existait à l'époque du prophète ne descend pas du ciel. Et arrêtez avec des hadiths à dormir debout que le prophète n'a jamais dit. L'ange Gabriel m'a dit de faire la hijama. Il n'y a que ça à faire, Gabriel, alayhi salam, à venir nous donner des recettes de cuisine. Mais ça va pas, non ? Jibril, il descend pour dire « Enlève du sang !» Jibril, il descend pour le Coran. Il descend pour le halal et le haram. Ce sont des hadiths faux inventés que certains savants modernes ont rendu sahih bidra. Bidra, ça veut dire bidra. Vous avez compris. Ouais. Au forceps, le hadith, il est sahih. Sahih li ghayrihi, sahih li datihi, ziyadatu thiqa. Des considérations qui nous enferment dans des compréhensions et des pratiques de la religion qui nous handicapent et qui nous empêchent, subhanallah, d'être en harmonie dans notre société avec notre travail, avec notre famille, avec nos collègues. Oui, ouvrez bien vos oreilles. Il y a deux écoles, il y a deux tendances. Il y a ceux qui ont une compréhension intelligente, pragmatique de la religion et il y a ceux qui ont une compréhension littéraliste, moyenâgeuse de la religion. Et ce qui fait mal, c'est que les mecs, un coup ils sont comme ça, un coup ils sont comme ça. Oh, si seulement ils restaient en place. Non. Ils peuvent être logiques et deux secondes après, illogiques. Alors que nous nous appelons à quoi ? À une religion, une compréhension de la religion, du Coran et de la Sunna, intelligente, clairvoyante, basée sur le juste milieu, sur la souplesse, sur la facilité. Je vais vous donner maintenant un exemple criant, flagrant, que si on est littéraliste, on est mort. Et nous allons voir des pratiques qui vont nous déstabiliser. Regardez comment les savants anciens étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus souples, et ils avaient une approche critique de certains textes, et ils n'avaient pas de mal à mettre de côté des hadiths. Parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas bons ou qu'ils allaient avoir un impact négatif. Qui va remettre en question et en cause la grandeur, la beauté, la sincérité, la probité intellectuelle de l'imam Malik ibn Anas radiallahu anhu ? Personne. Hein, l'imam Malik, au-dessus, c'est le soleil. Vous êtes d'accord ? L'imam Malik. Très bien. Si bien que même les salafis ont changé de madhab, ils sont passés du salafisme au malikisme. D'accord ? Merci Valls au passage, il les a fait danser et ils ont abandonné le salafisme parce que le salafisme c'est plus d'actualité. Donc, allez qu'on est devenu malikite. Bah, tu vas rester malikite jusqu'au bout, j'espère. Non, vous allez voir, l'imam Malik dérange. Pourquoi il dérange l'imam Malik ? Bah écoutez, l'imam Muslim rapporte dans son sahih d'après Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit : celui qui jeûne 30 jours de ramadan et qui rajoute 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné. C'est bon, il y en a qui les ont déjà fait les 6 jours là. Ouais. Bravo. Ça prouve que vous êtes sincère, ça prouve que vous êtes pieux, ça prouve que vous aimez Dieu et son prophète, vous aimez le paradis, vous ayez des hasanat. Bravo, bravo. Eh bien écoutez l'imam Malik. Vous savez ce que dit l'imam Malik ? Il dit, il ne faut pas jeûner 6 jours. Stop ! Interdit de jeûner 6 jours. C'est dans son livre Le Muwatta. On le questionne sur les 6 jours, regardez ce qu'il dit. 1. Il n'y a aucun compagnon du prophète qui jeûnait les 6 jours. Même les savants de Médine, que je connais, qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, aucun d'entre eux ne jeûnait 6 jours. Les enfants des compagnons du prophète ne jeûnaient pas les 6 jours. Pire, vous savez ce que dit l'imam Malik ? Il dit, et tous les savants que j'ai connus à Médine déconseillent et disent qu'il ne faut pas les jeûner les 6 jours. Yakrahuna dalik. Surtout pas. Stop, ne jeûnez pas 6 jours. Et l'imam Malik ne jeûnait pas les 6 jours. Alors il n'est pas pieux l'imam Malik. Il n'est pas sincère. Il n'aime pas Dieu et le prophète. Il n'aime pas le paradis. Il ne veut pas les hasanat. Il est à côté de la plaque. C'est un égaré.
Il ne connaissait pas le hadith de Abu Ayyub al-Ansari. C'est faux. Il le connaissait très bien. Il l'a jeté à la poubelle. Il n'en veut pas, l'imam Malik. Comme d'ailleurs, l'imam al-Bukhari n'en veut pas. Puisque le Bukhari, qui est le contemporain maître de l'imam muslim, ne rapporte pas le hadith et il n'en veut pas. Vous savez pourquoi il n'en veut pas, l'imam al-Bukhari, de ce hadith? Parce qu'il considère qu'il n'est pas sahih. Pourquoi il considère qu'il n'est pas sahih? Parce qu'il se dit, non, c'est pas possible. Si Malik, il dit que personne ne jeûnait, personne ne veut jeûner, tout le monde dit qu'il ne faut pas jeûner, et lui-même, il le... C'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a un problème. C'est pas possible. C'est quoi le problème? Ben, l'imam al-Bukhari, vous savez ce qu'il dit? Ce hadith ne vient pas de la bouche du prophète, mais c'est l'avis et les mawquf de Abu Ayyub al-Ansari. C'est Abu Ayyub qui a dit ça. Et certaines personnes, avec le temps, vont se planter. Et au lieu de dire « Abu Ayyub dit et pense », ils vont dire « Le prophète dit et pense » de la bouche de Abu Ayyub. C'est pour cela, écoutez bien, nos savants, dès les premiers temps de l'islam, n'avaient pas de gêne, de scrupule à mettre de côté un texte quand ce texte pouvait avoir des conséquences négatives. L'imam Malik dit, et je déconseille de jeûner les 6 jours parce que c'est juste une question de temps pour que les ignorants considèrent que le mois de Ramadan n'est pas complet s'il n'a pas été suivi de 6 jours. Pour éviter l'amalgame entre le Ramadan qui est obligatoire et des jours qui ne sont pas obligatoires, je sacrifie ces 6 jours. Je les range au placard, je les fais disparaître, comme le prophète n'a pas voulu faire Tarawih en public. Pourquoi? Parce qu'il considérait que c'était trop dangereux. Vous avez vu? Et aujourd'hui, on s'accroche à une interprétation d'une parole du prophète, jeûnez si vous le voyez, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne le fawda. C'est ce que c'est le fawda, boxon. Alors qu'il suffit de dire, le prophète a dit ça pour telle raison, je mets de côté. Le prophète a dit ça, le but... On ne l'a pas atteint, je mets de côté. Le prophète a dit ça, ça donne un problème, la division, alors que l'union est une obligation, je mets de côté. Non, 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 non. Mordicus, le prophète a dit, et c'est un mensonge. Le prophète n'a pas dit ça. Le prophète, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, et nous avons plusieurs avis. Choisissons lequel ? Celui qui nous arrange le plus. Parce qu'ils sont tous fondés, puisqu'ils sont tous basés sur des paroles du prophète, mais des paroles qui sont sujettes à l'interprétation en fonction des besoins, en fonction du contexte, en fonction des objectifs à atteindre et en fonction des conséquences. Et si les conséquences sont négatives, on passe à un autre avis pour toujours avoir des conséquences, car l'islam se résume avec cette règle d'or. Vous savez, c'est quoi l'islam? Jalbul maslaha, dharul mafsada. C'est-à-dire... Là où il y a l'avantage et l'intérêt, c'est ça l'islam. L'avantage et notre intérêt, c'est de comprendre le hadith pour aller dans l'union et l'unité. Là où il y a la mafsada, où il y a les problèmes, on met de côté. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.